Bon, par contre, j'adore, ça fait une demi-heure, donc vous avez eu deux minutes de vidéo de 15 minutes, je suis désolé, mais c'est comme ça que ça marche, hein. Major, le prophète de la vérité a trouvé l'arche. Une attaque aérienne surprise, c'est notre seule chance de l'arrêter. Supprimez les défenses anti-aériennes du secteur. Faites une brèche pour les vaisseaux de l'amiral. Bonne chasse, case terminée. Petite arrivée tranquille en véhicule, ça fait plaisir. Est-ce qu'il n'y avait pas des trucs à choper dans le coin? Il y a un pistolet à la con. Ouais, pistolet plasma, on va pas en faire grand chose. Bon, bah, allez, on enchaîne. Et on y va. Excuse-moi, joyeux anniversaire. C'est dangereux ça. Ça va pas bien. Oh, ça va, t'as qu'à pas t'avancer. Quelqu'un m'ouvre? S'il vous plaît? Allez! Je crois pas! Le poing de cette chose fait la taille de ma tête! Oh, un point pour les AS! Kilo 23, ici l'aube de l'espérance. Quelle est la situation, commandant? Courez! Les perturbations atmosphériques. Je préfère ici le mouvement. Où en est Sierra 117? Amiral, je sais qu'il va y arriver. Je nettoie, tranquille. Alors, il y a un crâne aussi là-haut, là. Juste perché sur ce bordel. Mais il est un peu compliqué à choper. Je sais pas si on pourra là. Bon, on va sur l'apparition anti-aérienne. C'est un nouveau type d'apparition. On peut réussir à les contrôler, mais sous certaines conditions, c'est un peu un bug au final. Ah, d'accord. Faut y aller, Major. Autant pour moi. Encore un point pour les AS. Kilo 23, ici l'aube de l'espérance. Quelle est la situation, commandant? Les perturbations atmosphériques s'intensifient au-dessus de l'artefact, amiral. Où en est Sierra 117? Il fait de son mieux, amiral. Je sais qu'il va y arriver. Alors. Bon là, le copain m'a canardé. Bon. Faut tout faire soi-même. Ok.
Tiens, voyons voir ça. Oh, mignon. Oui, ça c'est une espèce de tourelle dans ce rocket qu'on peut choper. On en aura encore un peu plus tard. Alors, on va dire que je suis mauvais à ce point. Ah, je préfère. Bon. Prenons. Ceci, ce sera mieux. Pour la moyenne distance. Est-ce que le crâne est toujours là-haut? Je ne pense pas. On va quand même essayer. Alors le but pour y arriver à monter là-haut. Merde. Je cours de touche. Il faut mettre un véhicule de façon à pouvoir utiliser comme... comme surélévation. Ouais, non. En fait, il y a un temps limité pour réussir à l'avoir. Au bout d'un certain temps, il disparaît. Bon, j'ai pas besoin de ça, en fait. Donc le mieux, c'est de le faire, c'est essayer de l'avoir en multijoueur. À deux, ça va plus vite pour dégager la zone. Et puis au pire, il y en a un qui peut directement tenter le truc. Après, vous allez défoncer l'apparition. C'est quand même beaucoup plus facile à choper une fois... Wow! Allez. Tu ferais mieux de la fermer. Et je suis beaucoup avancé. Ils ont un rock. Il y a quelque chose avec ça. Plum 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 plum. Je récupère de l'énergie, parfait. J'ai encore de la place. C'est nos derniers chargeurs, Major. On a un fantôme au-dessus. Merde volant. Merde volant. D'être bon. Alors, bon, bah, continuons. Des munitions, ça peut être une bonne idée. Ouh, lance-roquette. Ah, je me souviens. J'ai affronté dieux et démons. Ouais. Montez derrière, il y a des roquettes. On va bien rigoler là. On doit foncer. Il y a des tanks anti-aériens dans le prochain bassin. Chauffeur. Wow. Aide-moi, il en reste un. Le truc c'est que les mangous sont pas vraiment super faciles à conduire. Ah oui, au passage, c'est la première fois qu'on y va là dans cette série. Donc les mangous, c'est les petits quads, hein. Une passe à l'avant pour conduire, une passe à l'arrière pour un tireur. Et là, l'utilisation lance-roquette, c'est plutôt pas mal. Vous pouvez lui tirer dessus.
encore des ennemis en fait. Ah ouais. D'autres approches sur nous. Ah, il y a pas ça, j'ai des hornettes là. Véhicule aérien volant. Aérien volant. Oui. Oui, bien sûr, tout à fait. Véhicule aérien terrien. On pourra contrôler un peu plus tard d'ailleurs. Un petit spoiler. Je vais dire plus tant que je retire l'autre droit quand même. Oups. Oui, il a volé. Et oui, les marines sont pas besoin de recharger. C'est pratique. Tout à fait la même version que dans Halo 2. Que ce soit les a modifiés, ce sera encore une différente dans les prochains opus. Alors le truc c'est qu'il faut rester en dessous, espérer que le mec à la roquette va réussir à tirer correctement dans les jambes. Au passage, oui, il y a un peu un ghost en train de tirer dessus, le mec. Non. En fait, vous visez les petites zones bleues qu'il y a sous ses pattes. Une fois qu'on a bien réussi à atterrir dessus, ça les fait passer en rouge. Et une fois qu'elles sont toutes en rouge, ça met le machin en espèce de mode surcharge, je sais pas quoi, qu'il arrête de bouger. Et on pourra monter dessus. Non, ça c'est le pote de contrôle. Bonsoir. Alors, on est le... Salut. Ici. Ah merde. Oh, c'est dégueulasse, juste à cause du tremblement. Oh, faut tout se retaper. Autant toi tirer dans les pattes. Ah. Pas compris. Bon. Puisque manifestement ça va mettre des plombes si j'ai essayé de compter sur l'IA. Laisse faire les grands garçons. Même pas mal, j'en fous. Faut pas chier les sauterelles. Ouch. Ouch.